Il va falloir qu'on trouve où crèchent les serveurs et les traiteurs. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Ok, en direction la cuisine. Eh ben, il y a assez de bouffe ici pour nourrir tout un village. Je me demande s'ils font des mariages. Ah oui, leur gamme de services est très étendue. Mariage, bar mitzvah, vente aux enchères clandestines. Aux dents. Sera ragazzi. Hey Massimo, tocca a te. Ho un consiglio. Se stavi pensando di pregare del vino, assicurati che nessuno ti vede. C'è una vecchiaccia che non la finiva di fare da. Merda, qu'est-ce que c'est que ça? Cette porte n'apparaissait pas sur le plan. Ah, c'est fermé, évidemment. Bon, passons au plan B. Elle est fermée, je te l'ai dit. Je voulais juste vérifier. Et... eh ben, c'est fermé. Ouais. Très bien joué. Tiens, il y a des conduits d'aération, là. Attends, viens voir par ici. Nous y voilà. Que la lumière soit. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas une lampe sur... ça fera l'affaire. C'est toujours une bonne idée d'avoir un fumeur avec soi. Enfin, sauf s'il faut courir. Oh, toutes ces vapeurs, là. Ça commence à monter la tête. Heureusement, c'est celui qui conduit. L'entrée de ces conduits est peut-être cachée par ces tonneaux. C'est plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Quelque chose me dit que ça suffira pas. C'est pas un peu inquiétant que Victor drague Nadine Ross? Tu sais, il y a des histoires flippantes qui poursuivent ses hommes. T'inquiète pas pour ceux-là. Peut sortir de n'importe quelle situation. Ces conduits d'aération, ouais, c'est pas notre sortie. J'ai compris. Surtout que personne ne vienne m'aider. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Bon, allez, on grimpe. Et voilà. Ah, c'est plus serré que ce que je pensais. Et plus sale aussi. Le chauve fait à peu près ma taille, en plus c'est trop con. On risque pas de manquer de serveur dans le coin. Thank you.
dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Oh, enfin, le bon air frais. Eh, viens voir ça. Tu vois le bâtiment avec la tour radio, là? Tu veux dire la tour de relais? La quoi? Peu importe, c'est le local électrique. Ouais, t'as raison. Faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Sam, là-haut. Je vais t'aider à monter. Vas-y. Allez. Heureusement que tu t'entretiens. Sully, on vient de sortir de la cave, on se dirige vers le local électrique. Comment ça se présente? Sully? T'es là? Ah, il doit avoir du mal à capter là où il est. J'espère qu'il va bien. Bingo! J'ai trouvé la cuisine! Et bien sûr, elle est fermée. Sam, regarde. On peut peut-être utiliser ça, trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'aide à grimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Buonasera. Ma che sta facendo? Vas-y mollo avec les civils, Sam. Quoi? Il va se réveiller en quel but avec la migraine? Ça nous est déjà arrivé, non? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Ok, direction le local électrique. Sam, tout va bien? Ça va, c'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. Ah, c'est la mode, qu'est-ce que tu veux? Sérieux? Mais je peux plus respirer. Ah, bah c'est sûr qu'on est plus à l'aise en tenue de tôlard. Bon, retourne à la salle de bal, gros malin. Sam, t'es là? Sam? Sully? Super. Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Si tout va bien. Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Si tout va bien.
Ah, oh merde! C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord.